Bonjour groupe, aujourd'hui je vous parle de la bébé crème naturelle de Marcel. Et oui, j'ai recommencé à m'intéresser aux cosmétiques de pharmacie. Pourquoi? Ben parce que tout simplement, c'est un monde merveilleux. Évidemment, je favorise toujours les entreprises de chez nous, donc québécoises, canadiennes, c'est sûr. Donc, je vais vous parler de produits de pharmacie du genre prochainement. Et aujourd'hui, donc, c'est ça qu'on fait avec Marcel. L'entreprise Marcel, je la connaissais de nom depuis longtemps. J'avais jamais vraiment essayé leurs produits parce que j'étais dans d'autres choses, tout simplement. Mais là, je redécouvre cette entreprise-là. Et par hasard, j'ai vu qu'il y avait une version naturelle de leur bébé crème à succès, vraiment, là, leur bébé crème ordinaire est vraiment un gros hit, là. Les gens semblent l'aimer beaucoup. Puis là, après avoir essayé celle-là, je comprends pourquoi. Moi, j'ai pas essayé l'autre, éventuellement, je le ferai, mais là, je me suis dit, on va y aller avec la naturelle, faire une petite transition en douceur, parce que je sais que vous êtes plusieurs à aimer beaucoup tout ce qui est naturel. Mais ça, c'est un autre. Ça va être un sujet pour une autre vidéo. Parce que tout ce concept de naturel-là, là, en tout cas, ça sent le marketing jusqu'à un certain point. Mais ça, c'est mon avis. On aura une discussion un autre jour. Revenons à nos brebis ici en forme de bébé crème. Alors, Marcel, je disais, c'est une belle entreprise québécoise, canadienne, oui. Hein? Alors, ça fait partie du groupe Marcel. Pareil aussi comme Annabelle, qui est la petite sœur de Marcel, des produits qu'on retrouve à la pharmacie aussi, et même Lisoitier. Donc là, je la porte aujourd'hui sur mon visage, mais je vais vous montrer le avant-après, comment je l'applique. Mais je vais vous parler un peu du produit. Donc, c'est super comme contenant. C'est avec une pompe. Voilà, c'est un format de 45 ml. Marcel a aussi une CC crème que je suis en train de tester. Si ça vous intéresse que je vous parle de la CC crème, je le ferai. Alors, bébé crème, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi ça, bébé crème, ça vient de Beauty Balm, si je ne me trompe pas, donc comme un baume beauté. Et puis, c'est resté. Alors, celle-là, ce qui est particulier, c'est que les ingrédients, ça dit origine naturelle à 85%. J'ai pas comparé l'autre liste d'ingrédients avec la traditionnelle, mais c'est pas pour ça tant que ça, là, que moi, je vais essayer l'autre, même s'il n'est pas soi-disant naturel, ça me dérange pas, ça me dérange plus, en fin de compte, je suis rendue là. Ben oui, je suis rendue dans mon parcours. Là, c'est écrit petit, puis j'ai pas mes yeux. Fait que je vais lire sur la boîte, parce que j'ai gardé la boîte pour vous montrer. Moi, là, j'ai pris la teinte pâle à moyen. Hein, voilà, light to medium, pas la moyenne. Les bébés crèmes, il y a un moins grand éventail de nuances. Alors, c'est une chose comparativement à des fonds de teint, par exemple. Donc, il faut juste faire attention. Mais ça, ça pardonne quand même. Parce que comme c'est pas la moyenne, bien, c'est comme entre les deux. Donc, mais si vous avez le teint plus porcelaine, plus laiteux, dirais-je, plus pâle, là, allez-y avec ce qui est plus pâle. Allez-y, le gros bon sens. Moi, je l'ai acheté en ligne, donc je ne l'ai pas essayé avant. J'ai vraiment pris un risque. Mais je ne suis pas déçue parce que ça me va. Là, au moment où je filme ça, c'est l'été. Je suis bronzée. On verra plus tard, à l'automne-hiver, je vais réessayer, voir si les pigments s'adaptent à ma carnation. Et sinon, ben, ça voudra dire que pour moi, ça va être quelque chose juste pour l'été. On verra. Alors, pour en revenir à ce que ça dit sur la boîte, bébé crème naturelle. Alors, j'ai dit 85% d'origine naturelle. Couvrance légère, oui, mais je trouve pas si légère que ça comparativement à d'autres bébés crèmes que j'ai essayé dans ma vie. Je suis agréablement surprise. Là-dedans, ça dit qu'il y a de la vitamine C, du thé vert. Et comme beaucoup, sinon tout, les produits Marcel, ils sont reconnus par l'Association canadienne de dermatologie. Alors, ça dit que c'est pour tous les types de peau. Voilà, je vais changer de côté de la boîte parce qu'il y a un petit peu plus d'infos. Alors, c'est hypoallergénique, sans parfum. Il n'y a jamais de parfum dans les produits Marcel. Sans parabènes, ça, sans huile, vegan, non comédogène, testé sous contrôle dermato. Donc, l'aspect naturel de ça, je pense, parce qu'il y a de la vitamine C, du thé vert, vite de même, et que elle est vegan. Est-ce que tous les produits Marcel sont vegan? Je ne sais pas. Je découvre la marque en ce moment. Donc ça, je suppose qu'en allant sur Internet, on peut trouver le tout. Alors, cette merveilleuse bébé crème 8 en 1 multi-bénéfice, ça dit que c'est supposé d'unifier le teint, d'hydrater, protéger du vieillissement prématuré
et des stress environnementaux, protège contre la lumière bleue, hein, les mots des écrans, et oui, et desquels nous sommes esclaves. Ça est supposé de matifier, d'apaiser, de calmer, de réduire l'apparence des imperfections et de donner un teint éclatant. Juste ça, rien de moins. Pour l'application, très simple, moi j'aime appliquer mes fonds de teint, mes bébés crèmes, CC crèmes, nomme-les, avec un pinceau. Il y en a qui préfèrent l'éponge. J'ai pas eu de succès avec les éponges. Faut dire que j'ai jamais essayé non plus la fameuse Beauty Blender. Peut-être que ça serait magique, je sais pas. Mais juste le concept, ça a l'air un nid à bactéries, cette histoire-là. Moi, je veux comme rien savoir de ça vraiment. Faut jamais dire jamais, mais pour le moment, non. Pas les doigts, le pinceau. Si vous aimez mieux les doigts, allez-y. Faut juste savoir que quand vous appliquez un produit, quand vous appliquez un produit avec les doigts, la couvrance va être moindre parce que là, vous le tartinez, puis votre peau en absorbe une partie. Donc, moi, je recommande le pinceau. Donc, avec la pompe, j'en mets une petite quantité sur le dos de ma main. Je vais probablement devoir en utiliser un petit peu plus. Ça dépend aussi de si on a réussi à faire toute notre face au complet. Avec le pinceau, j'y vais allègrement. On voit quand même une certaine différence entre le pas de bébé crème et avec bébé crème. C'est pas la couvrance totale. Comme je vous ai dit, ça dit couvrance légère, mais je trouve que c'est pas si léger que ça. C'est pas pire. J'aime bien ça. J'aime bien. Puis ça pénètre bien dans la peau. Ça tient toute la journée sur moi, en tout cas. J'aime vraiment le résultat. Facile à appliquer. Ça se démaquille aussi comme un charme. Là, on peut l'enlever sans problème avec la même routine de nettoyage et démaquillage, là. Pas de problème. Donc, agréablement surprise pour la BB crème naturelle de Marcel. Là, j'ai fait le reste de ma face par la suite, mais franchement, je vous la recommande, surtout si vous êtes quelqu'un qui vous maquillez pas beaucoup, pas souvent, que pour vous, un fond de teint, c'est too much. Une BB crème, c'est une très belle option parce que ça fait le travail, mais c'est quand même un peu en transparence. Là. Donc, ça ne vous fera pas un look comme si vous aviez mis un masque. C'est pas quelque chose à mettre sur la passerelle. Là, je l'utilise pour faire une vidéo. Puis je trouve honnêtement, c'est pas pire. C'est sûr que là, j'ai mis de la poudre translucide, un peu de poudre bronzante, fard à joues, tout. Mais c'est une excellente base pour le teint. Il y en a certains qui vont dire qu'une bébé crème, on peut mettre ça à la place de l'hydratant. Moi, je ferais pas ça parce que j'ai une peau sèche, voire même déshydratée. Donc, pour moi, ça serait pas suffisant. Je préfère ma routine normale, puis après ça, me maquiller. J'ai même mis une base de maquillage, la base Miracle de Lise Wattier, que j'ai mis en dessous. Mais sincèrement, là, si vous vous interrogez à « j'essaye-tu ça? » Oui. Et en plus, c'est abordable, ça se vend à la pharmacie ou en ligne même. On peut l'acheter sur le site web de Marcel, le site web de Pharmaprix même. J'ai commencé à magasiner là-dessus, je capote. Et c'est ça, en magasin aussi. Pas cher, beau, bon, pas cher, ça fait tout. Là, celle-là, ça dit qu'elle est naturelle. Donc, si pour vous, c'est très important, là, je vous dirais, allez-y avec celle-là. Lisez quand même les ingrédients, question de savoir ce qu'il y a dedans. Mais si ça vous dérange pas trop, je suis persuadée que la version originale doit être aussi bonne. La bébé crème ordinaire de Marcel, qui a déjà de très bonne réputation, elle doit sincèrement être aussi bonne. La prochaine fois, je vais l'essayer. Mais en attendant, là, je suis sur la CC crème. Donc, voilà. Est-ce que vous connaissez l'entreprise Marcel? Connaissez-vous les produits Marcel? Les aimez-vous? Qu'en pensez-vous? En achetez-vous? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Est-ce que vous aimeriez voir, parce que j'ai acheté d'autres choses de Marcel, est-ce que peut-être un petit haul Marcel ou d'autres tests de produits de cette entreprise-là vous intéresse? Je vous écoute. Clic, clic. Et voilà pour ma petite review de la bébé crème naturelle Marcel. Comme toujours, merci d'être là, c'est super apprécié. N'oubliez pas de vous abonner et sourissez. Tout le bye-bye. Là, je vais ouvrir une fenêtre parce qu'on mourre de chaud.